activité au jardin. Au printemps, le pic-vert revient au jardin avec son cri caractéristique. Peu farouche, il s'approche des maisons. Ici, un merle noir est intrigué par cet oiseau multicolore. Le pic-vert est assez solitaire. Il se retrouve plus souvent au sol que les autres pics car il raffole des fourmis. Sa langue est capable de sortir d'environ 10 cm pour aller chercher les insectes au fond des cavités. Le merle, toujours intrigué par cet oiseau, et là, tout à coup, il a remarqué quelque chose au-dessus de lui et s'arrête. Et s'enfuit, effrayé par des pies.